mardi, les amis, après la tempête, le soleil. Il a fait frais ce matin, il fait frais encore, mais on a de la lumière et du soleil, alors il faut en profiter un max. Là, je m'en vais pour ramener Victor, mais je voulais vous montrer avant de partir, j'ai mis mon gilet vert. Le gilet que j'ai raccommodé hier, en fait, j'ai changé tous les boutons. Viens, mon loup, on se prépare. Viens dire bonjour. Bonjour. Voilà, là c'est l'heure de partir donc on se grouille. Mais je voulais vous montrer, j'ai changé tous mes boutons hier. J'ai mis des boutons que j'avais, je n'avais pas l'intention de racheter exprès des boutons. Donc je suis allée dans mon stock, j'ai pris les boutons que j'avais. Et ça ira très bien comme ça. Du coup, hop, j'ai pu mettre mon petit gilet ce matin avec une petite chemise fleurie. Je trouve que les petits verts vont bien ensemble. Voilà, et vous savez quoi? Je me suis même acheté un manteau vert cette année. Ça faisait des années, peut-être bien 8-10 ans que j'avais le même manteau. Et il commence à se déplumer. En fait, c'était les plumes passent à travers. Et du coup, cette année, j'ai décidé d'acheter un nouveau manteau. J'ai profité de quelques soldes. Et j'ai acheté du vert sauge. Ça met de la couleur, marre du noir, toujours le noir. J'en ai des manteaux noirs, ça va avec tout, c'est vrai. Mais quand même, un peu de couleur. En plus, on me reconnaît plus facilement. Allez, on s'en va à l'école. À tout à l'heure. J'ai mis mon châle Akemi. Je trouve qu'il va super bien en plus avec ce vert. Un petit rose avec un petit vert. Super. J'ai enlevé mon vernis parce que je veux faire un traitement aujourd'hui. Je laisse respirer un peu mes ongles de temps en temps. Et je vais faire un petit traitement à la kératine. De chez Poupa, ça marche super bien. J'en ai un chez Essie aussi qui marche super bien. Bon, là on accélère, comme dit Victor, Mac 1. On passe à Mac 2. Ouais, allez, on se dépêche. Il y a du blizzard aujourd'hui. Oh non, il y a du soleil. Mais super beau. Allez, je vous laisse. Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui? Oh, la lumière à l'atelier, c'est juste super. J'ai hâte de me mettre à travailler cet après-midi ici. Bonne nouvelle, j'ai fait la couture ce matin. Ça a bien marché, j'étais contente. Vraiment, ça avance bien. Fait que là, je vais pouvoir vraiment faire ce que je veux avec les patrons. Ça va être chouette. Bon, allez, je vous laisse parce que là, il faut que j'aille chercher le petit loup. On mange et ensuite, ben, reboulot. Ça va gonfler pendant que je vais aller chercher Victor et que je vais monter travailler à l'atelier un petit peu. Je vais profiter encore au maximum de ce magnifique soleil. Et là, je m'assois un petit peu avant de partir. J'ai reçu mon stylo plume de chez Waterman. Bon, c'est celui qui est d'entrée de gamme, hein. J'ai payé 10€, donc c'est pas non plus une grande collection, mais il fonctionne très bien. Franchement, il écrit bien, je l'aime beaucoup. Du coup, je suis contente. Vous avez vu, c'est un petit bleu qui tire un peu sur le vert. Il est tout joli. Et puis, je vais profiter un petit peu de ce temps qui me reste pour répondre à une question qui m'est posée souvent. Ça revient de temps en temps et je me dis que je vais vous faire une réponse générale ici, comme ça. Si ça intrigue d'autres personnes, ben au moins vous saurez. On pose la question sur mon organisation. Comment j'organise mon temps? Parce que c'est vrai que je m'organise. Mais sachez que l'organisation du temps, quand on travaille à la maison, c'est complètement personnel. C'est-à-dire que ce qui marche pour moi en termes d'organisation ne fonctionnera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Par rapport à la famille, par rapport au travail qu'on fait, par rapport aux imprévus, par rapport à soi. C'est vraiment une question personnelle, l'organisation. Mais je peux vous expliquer un petit peu comment moi je fonctionne. Des fois ça peut donner des idées à d'autres, mais sachez que ce qui fonctionne pour moi peut très bien ne pas vous convenir. C'est pas quelque chose de... Il n'y a pas de règle en fait.
Je suis quelqu'un qui se lève tôt. Je me lève vers 6h, 6h15. C'est bien. Je déjeune. Et ensuite, quand j'ai fini, je monte chercher mes affaires pour prendre ma douche, etc. Et j'en profite pour aérer la chambre, faire le lit et prendre mes habits. Je prends ma douche et entre le moment où je suis prête et le moment où je dois emmener Victor au collège, il me reste un peu de temps en général pour débarrasser la table. Bon, j'ai la chance que les enfants sont grands, donc ils se gèrent pour les déjeuners, ils se gèrent pour l'heure du réveil, pour la douche, etc. Ça, c'est vrai que c'est confortable quand les enfants sont plus grands. C'est un peu différent quand ils sont petits ou bébés. Donc là, moi j'en profite de ce temps-là bah, pour nettoyer, débarrasser. Souvent quand il n'y a pas grand-chose, je mets dans la vaisselle ou quand il n'y a pas grand-chose, je laisse dans l'évier. Ça pourra attendre le midi. Le midi, on n'est que moi et Victor, donc s'il n'y a que deux assiettes, c'est pas grave, ça attendra la vaisselle du soir. Voilà, la journée, ça passe très vite et puis voilà, la cuisine reste quand même rangée. Le matin, quand j'ai emmené Victor, je reviens, il est à peu près 8h30, je me fais toujours un thé. Ça, c'est marqué dans mon organisation. Je me fais toujours un petit thé quand je rentre et je monte à l'atelier. Souvent, j'ai la matinée. Normalement, je devrais avoir de 8h30 jusqu'à à peu près midi, midi et quart, puisque Victor rentre à midi et demi. J'accompagne mon fils à l'école et je vais le rechercher parce que j'ai absolument pas confiance ici pour laisser mon enfant seul aller à l'école. Il y en a plein qui le font ok, mais moi personnellement ça me sécurise de savoir que je l'amène et lui ça le sécurise aussi. Il y a des gens qui roulent comme des fous, il y a des malades qui traînent et il y a des rues qui sont parfois isolées et j'aime pas du tout, j'ai pas confiance, donc je préfère accompagner mon enfant. Et moi ça me fait faire du sport. Hier j'ai fait comme 30 minutes de sport intensif avec la marche que j'ai fait, j'étais contente, l'application m'a dit bravo. Donc voilà, j'accompagne mes enfants à l'école et c'est une question personnelle encore une fois. Du coup, ça me prend du temps aussi sur ma matinée. Mais quand je rentre et quand j'ai la matinée pour travailler, je vais à l'atelier. J'en profite. Bien souvent, ça marche bien comme ça. Le midi, on a notre petit dîner, Victor et moi. On se fait une petite bricole. Et puis là, ça me laisse encore du temps puisqu'on a une heure de pause en fait. Donc on mange et ensuite j'ai encore à peu près une demi-heure pour faire la vaisselle et ranger la cuisine. Souvent j'en profite pour passer l'aspirateur et laver le sol, parce que surtout quand le chien y rentre, et puis en plus quand il pleut, bah c'est vite sale hein, le carrelage. Donc là je profite de mon midi pour passer l'aspirateur, laver, vu qu'il n'y a que moi et Victor. J'en profite aussi pour faire le salon, voilà. Et l'après-midi, je redépose Victor, je reviens et je travaille à peu près 2 heures par après-midi dans l'atelier. Vers 4h, 4h15, j'arrête. Sauf si vraiment je suis plongée dans mon truc et que là, faut pas que j'arrête. Mais sinon, au maximum, je vais à 5h. Parce qu'à 5h, l'école termine pour Victor. Mais sinon, à 4h, 4h15, j'arrête. Je me fais un petit thé pour moi. Je me fais un petit tricot à moi toute seule. Et puis ensuite, je vais chercher Victor. On rentre, on se refait un petit thé. Il faudrait que je les compte combien que j'en bois la journée. Sincèrement, je devrais les compter. Je me refais un petit thé avec Victor. Et pendant que lui fait ses devoirs, je commence à préparer le repas. Ça m'arrive, comme hier pour le chili, de le mettre à la mijoteuse pendant midi. Vers midi et demi, 1h, je prépare la mijoteuse et puis ça mijote tout l'après-midi. Le soir, on n'a plus qu'à s'asseoir et ça, c'est juste génial. Mais sinon, vers 5h, je commence à partir le repas. Là, je suis tranquille de 5h à 6h, 6h30 pour soit répondre aux messages de travail, soit tricoter pour moi, soit faire un petit peu de point de croix ici sur mon petit coin fauteuil tranquille. À 6h30, tout le monde est à la maison, on s'assoit pour manger et ensuite vers 7h30, la table débarrassée, la cuisine rangée, les douches sont en train de se prendre et après, relax pour le soir. C'est l'avantage de manger tôt le soir, mais franchement, c'est un truc que j'adore, manger tôt. Parce que comme ça, après, ça nous laisse toute la soirée. On s'installe, on se colle, on jase, je tricote, voilà. Je peux lire aussi, ça me fait plaisir. J'aime bien aller au lit de bonne heure et puis tricoter dans mon lit ou lire. Voilà, ça c'est le truc qui me repose le plus. Voilà comment je m'organise. Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. C'est pas rare que le vendredi après-midi, je m'accorde mon après-midi. Et que je prends juste le temps pour moi, pour me faire plaisir. Parce que faut pas se culpabiliser dans le fond, parce que si nous on se fait plaisir, qu'on est bien,
en tant que maman. Surtout quand on reste à la maison, hein, on voit pas grand monde. On est tout le temps avec les enfants, on est voilà. Moi, j'adore m'occuper de mes enfants, j'adore être à la maison, j'aime énormément m'occuper de la maison et cuisiner, le jardiner, tout ça. J'aime ça, être une femme de maison. Je trouve que c'est super à vivre. Mais on n'a pas à se culpabiliser, il faut prendre soin de soi, à s'accorder un moment, parce que si on est bien, bah, le reste de la famille sera bien. Voilà, donc en général, le vendredi après-midi, bah, je me prends ma petite après-midi pour moi. Mais c'est pas rare aussi que je travaille, parce que parfois, il y a des idées, il faut que ça avance. Et puis, quand on est en plein dedans, si le temps le permet aussi, quand c'est une journée ensoleillée, il faut en profiter. Hein. Donc là, il y a des vendredis après-midi où j'en profite. Mais voilà, c'est pour moi. Je me bloque, je réponds pas aux messages, je réponds pas au téléphone. C'est mon après-midi. Le mercredi, c'est la journée des enfants. Et là, j'adore qu'ils sont à la maison. Vraiment, c'est un plaisir, hein, ça met de la vie. Ils sont là, ils passent, ils vous font un petit bisou. Vous faites des petits gâteaux pour eux. Alors, c'est pas rare que le mercredi, donc le matin, ils sont en cours. Du coup, le matin, j'en profite pour faire le petit lunch. À emmener le midi dans la voiture, puisqu'on va chercher chez Yen. On a une heure, en tout cas, on rentre, il est 1h30. Hein, donc, on a une heure de route à faire. Du coup, Victor mange un petit sandwich dans la voiture. C'est notre petit moment. On rigole, on est tous les deux, on se met la musique et tout ça. Donc ben voilà, demain midi, je vais aller la chercher si tout va bien. Et l'après-midi, eh bien là, je m'installe, je repasse. On peut se mettre un petit film, on peut jaser ensemble. Les enfants me parlent de leur semaine, de leurs cours. Ils peuvent faire leurs devoirs à côté de moi. Ou alors, même si ils écoutent un truc, leur série ou quoi, ils sont là, on est ensemble. Et ça, on aime beaucoup. Ouais, on aime bien, on se prend le thé. On se fait le thé ensemble l'après-midi. C'est hyper agréable. Et on aime ça même pendant les vacances, juste se reposer et être ensemble. Ce que vous entendez, c'est la machine à pâte. Hein. Voilà, donc la pâte est en train de tourner. Et je vais d'ailleurs vérifier si tout va bien. Parce que des fois, voilà, c'est pas assez liquide. Je vais rajouter un petit peu de lait. Et voilà, j'ai rajouté un petit peu de lait dans la pâte, c'était un peu trop sec. Du coup voilà, le mercredi c'est comme ça. Et le week-end, eh ben, écoutez, le week-end, le samedi matin c'est les courses, c'est le gros ménage. Parce que le mercredi et le samedi, j'en profite pour faire le gros ménage. Les toilettes, la salle de bain, voilà, je nettoie tout à fond. Le midi, je programme mes lessives aussi et le soir. Ce qui fait qu'après j'ai juste à mettre la lessive le soir. Je vous explique. Le midi, je mets ma lessive à tourner pendant les heures creuses. Ce qui fait que je la programme le matin. Quand je rentre, avant d'aller travailler, je programme ma lessive pour midi et demi. À midi et demi, ma lessive tourne. Et le soir, j'ai juste à la prendre, à la mettre à sécher, à la programmer pour les heures creuses le soir. Et puis quand c'est sec, hop, j'ai juste à plier, mettre dans le panier pour le repassage. Et puis le mercredi et parfois le samedi ou le dimanche, je repasse. Voilà. Quand je ne peux pas repasser le mercredi, je repasse le week-end et vice-versa. Parce que j'adore repasser. Mais c'est vrai, le pire, j'aime bien repasser. Mais ça va tellement vite. Donc, bah, c'est toujours un éternel recommencement. Et on a l'impression de passer notre vie à faire ça. Voilà, c'est tout. Tout simplement, c'est ça mon emploi du temps. Là, en plus, j'ai pas le jardin à faire. Parce que c'est vraiment la période creuse. Mais là, tiens, j'ai pensé à ça cette semaine. Il faut vraiment que je ressorte mes graines pour trier et faire... et faire un petit plan de jardin. Tiens, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que je vais noter dans mon agenda. Je vais essayer de me faire ça peut-être vendredi. Vendredi après-midi, tiens, je vais me faire mon petit plan de jardin. Je vais me noter ça dans le carnet, plan de jardin pour vendredi après-midi. Et je vous montrerai un petit peu ce que j'ai en termes de graines. Parce que va falloir préparer la serre aussi pour ça en février-mars. Quoi d'autre aussi? C'est pas mal tout hein, pour l'organisation. Dès que je peux racheter le temps, je le rachète. Quand il y a le repas qui mijote, j'ai pas besoin de surveiller, au lieu d'attendre comme ça, ben j'en profite soit pour tricoter, soit pour faire du ménage. J'en profite pour plier le linge, programmer la lessive. Quand je programme la lessive, vu que je suis dans la salle de bain, je passe un coup dans l'évier, voilà. J'essaye de... Ça tourne et ça... J'essaye de... Voilà, au maximum de gagner mon temps. Et puis le reste du temps, ben, je suis à l'atelier. C'est vraiment, vraiment un plaisir. J'ai un petit moucheron de plantes qui me tournent autour, là. Plein de petits moucherons de plantes là tout le temps. Donc voilà, c'est ça, c'est mon organisation, mais ce qui est valable pour moi, c'est juste pour moi, je veux dire, vous pouvez l'essayer, mais ça ne
conviendra peut-être pas. J'aurais aimé, hein. Je vous le cache pas que j'aurais aimé avoir comme des horaires de bureau. Au début, je m'étais dit, oh non, mais moi, je fais des horaires de bureau. Je commence à telle heure, mais c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a des fois où j'ai pas la forme, il y a des fois où c'est les enfants qui sont malades, des fois j'ai des rendez-vous, et puis des fois on a tout simplement pas envie. Il faut jamais, jamais oublier la notion plaisir. Et quand ça devient une corvée, c'est pas rigolo. Vraiment. Ça nous donne plus envie et puis on traîne. Donc j'essaye de pas voir les choses comme une corvée, mais de voir, par exemple, quand j'ai le ménage à faire, quand j'ai la salle de bain à nettoyer, je me dis pas, oh j'ai la salle de bain à nettoyer, je me dis, hey, je vais faire la salle de bain, puis après ça, je vais me sentir tellement bien, tellement libre, que je vais m'accorder du temps pour faire ceci ou pour faire cela. Parce que c'est important de s'accorder du temps, vraiment. Je profite de ça, je vois toujours plus loin, je me dis, oh, quand j'aurai fait ça, même si c'est une corvée, je me dis, après, je vais m'accorder tel ou tel truc. Et là, je suis trop contente. Donc, quand je suis en train de faire ma corvée, en fait, je suis en train de penser à la récompense que je vais me faire. C'est la carotte, vous savez, c'est l'âne, en fait, je suis avec ma carotte comme ça, et... mais ça marche vraiment. Là, cet après-midi, là, je vais aller remettre mon manteau, aller chercher mon petit loup, et après, je ne sors plus, donc je vais profiter. C'est l'atelier, et là, quand j'aurai bien travaillé, je vais être tellement contente que je vais me dire, ah, là, je vais m'accorder un petit moment pour moi, et puis voilà. Ce soir, c'est manucure. J'ai mis mon produit à la kératine. Ça fait vraiment rendre les ongles doux, 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 doux. Et depuis que je mets le durcisseur, alors, est-ce que c'est lui, durcisseur? Parce que j'ai acheté une couleur de vernis qui est couleur claire et durcisseur, regardez. Ils sont presque pareils. Alors, je mets la kératine, comme ça. Et ça fait vraiment du bien, ça fait doux. Et ensuite, je mets le durcisseur. Donc là, je vais mettre le durcisseur. Je vais le laisser bien sécher. Et tout à l'heure, je vais me faire un petit vernis. Je vais me faire plaisir. Oh, c'est des vernis qui sentent. Ceux-là, c'est les vernis qui sentent bon. Ils ont du parfum dedans. Ça reste deux jours, hein, je vous l'ai dit. Mais oh, ça fait tellement bien. Alors là, j'ai des couleurs. Mais j'ai envie de mettre des couleurs vives. Alors, je ne sais pas quelle... Parce que j'aime bien le rose, mais... Je sais pas, je pense que c'est plus pour le printemps. J'hésite encore entre les deux rouges là. Donc tout à l'heure je vais me faire ça. Mais pas avant d'avoir travaillé. Donc là, voilà, en rentrant, je vais certainement mettre les petits pains en boule. Je vais attendre que la pâte elle gonfle. Et puis je vais aller voir d'ailleurs où ça en est, parce que je veux pas que ça tourne pour rien et que ce soit sec. Ah, impeccable, elle est très très belle. Donc là je vais aller enfiler mon manteau, puis je vais y aller. Mais ouais, je vais mettre les petits trucs. Il y a des petits biscuits allemands que j'aimerais bien faire. J'ai acheté un livre de recettes. En fait, parce que Victor étudie l'allemand à l'école. J'ai acheté ce livre-là. Il n'y a pas d'image. Hein. Ils vous disent... Alors bon, vous ne le savez pas avant de l'avoir acheté. Moi, je vous le dis. C'est écrit à l'intérieur que par souci d'économie d'édition, il n'y a pas de photos des gâteaux qui sont faits. Non, c'est que des biscuits allemands. Et j'ai envie de faire ces petits croissants-là. Mais si vous saviez comme j'en ai envie. Donc j'aimerais bien essayer de les faire. Je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tente. Victor étudie l'allemand. Donc du coup, on fait plein de trucs allemands. On a fait des bretzel l'autre jour. C'était trop chouette. Là, j'ai ma petite lessive de chaussettes à plier aussi en rentrant. Et après, je file à l'atelier. Du coup, je vous laisse et je vous dis...